Bonjour mes petits amis de YouTube, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dragon's Dogma, le 16ème si je me trompe pas, et on devait aller aider la nénette qu'on a croisée au tout début du jeu, qui se promène en armure de paladin et qui généralement est là, mais à première vue elle n'est pas là. Elle est où? Discussion avec Mercedes pour comprendre ses motivations. Ben ouais, mais elle est où? Carte, d'accord, elle est à l'extérieur de la ville. Ok, bon. Bah écoutez, je vais vous laisser un petit peu, hein, voilà, parce qu'après tout, je vous laisse. Généralement, je fais beaucoup de coupures dans ce jeu. C'est vrai que je m'en suis aperçu, comme je vous disais, pour 50 heures de jeu, il doit y avoir 9h30 de vidéo. Donc, on va essayer de faire un peu moins de coupures, peut-être. Je suppose que vous avez entendu, vous savez donc que je suis porté volontaire pour cette mission. Je n'abuserai pas de l'hospitalité du duc plus longtemps. Vous êtes déjà couvert de gloire, sœur. Laissez-vous cette chance de faire ses preuves. Laissez-moi cette chance de faire ses preuves. Bof. Oui, mais je vais quand même t'accompagner. Lord Julien, c'est un connard. Il est parti il y a quelques temps, mais nous n'avons pas de nouvelles depuis. Quelqu'un doit aller l'aider, voir ce qu'il est advenu de lui. En tant qu'invité du duc, moi aussi, je pense qu'il en va de mon devoir. Je n'empêcherai pas de m'accompagner, mais je vous attendrai pas. Venez si vous voulez, je pars. Bah oui, bah du coup, on va te suivre. Allez jusqu'à la tour du vent. T'es sérieux? T'es sérieux? Il faut encore que je retourne à cette putain de tour? Bon, allons-y. Allons-y, allons-y. Au moins, c'est celle qui est prête, c'est pas la tour bleue, c'est déjà ça. Allez, on va garder les mêmes pions que ceux que j'avais dans la vidéo précédente, hein, après tout. Ah bah, passé niveau 40, c'est cool. Votre classe a augmenté. Oui, Kaiji, ça a augmenté. D'accord, donc bah du coup, bah, je peux me rendre d'ores et déjà. Je suppose que, oui, elle m'a pas vraiment attendu. Elle s'est directement TP là-bas, parce que la magie de la téléportation, ça aurait été bien que je puisse en profiter. Le champion de la nuit, je sais très bien qui c'est Julien. On l'a vu plus ou moins clairement, hein, c'est pas parce qu'il s'est foutu un petit masque sur la tête qu'on l'avait pas reconnu. Donc, bon, on va aller voir ce que Kaegis a appris de nouveau, bien que ses sorts soient déjà vraiment optimisés par rapport à son stuff. Et que j'aimerais lui trouver d'autres pièces de stuff, mais bon, bah bizarrement dans ce jeu on trouve pas beaucoup de pièces de stuff, hein. C'est assez étonnant. Alors, compétences, apprendre des compétences, on va voir où elle en est, qu'est-ce qu'elle a pu apprendre, enfin qu'est-ce qu'elle peut apprendre maintenant. Silence Magnum, vous invoquez un saut magique qui neutralise les magies ennemies, ouais. Halo de fatigue, non, ça m'intéresse pas plus que ça. Ah, je sais pas si c'est ma manette, c'est le jeu qui bug, mais par moment ça me le remet en arrière. Vengeance de la foudre, non, je l'ai pas appris, c'est pas pour rien. Nouveau Maelstrom amélioré 8500, ça c'est un nouveau sort que je viens d'équiper, je sais pas encore ce qu'il fait, mais j'avoue que quand j'aurai 8500 points, bah, je pense que je vais économiser pour justement lui apprendre. Coming soon, oui, je reviendrai vite, t'inquiète pas, de toute façon je suis obligé de passer ma vie ici. Hein. Hop là, c'est par là la sortie. Et bah écoutez, oui, améliorer mes armes, t'inquiète pas, si j'avais les compos, ça serait déjà fait. Mais bon, on verra bien. Allez, on va se taper un petit bout de chemin, théoriquement ça devrait aller relativement vite. Mais bon, sachant que je veux faire des vidéos que de 20 ou 30 minutes sur Dragon's Dogma, je vais faire encore une fois une petite ellipse. Et donc voilà, ça a été instantané pour vous, moi j'ai fait quand même le travail à la main. J'ai pu voir le sort de Maelstrom de Kaegis et je peux vous garantir que ça envoie du lourd. D'accord, qu'est-ce qui se passe? À première vue, il y a une attaque. Bah, on va taper dans le tas, hein, parce que de toute façon, on va pas chercher à comprendre. Et ça me dérange pas de taper, que ce soit des humains, des brigands ou autre chose. T'es pas morte, hein. Voilà. Ok, petit lag. On va finir les gens qui traînent. Je savais que Sir Julien était un traître, mais de là à... non, ça va foirer. Assez costaud quand même ces machins là. Il y a un truc à prendre. La bannière royale, ok. Je sais pas si t'as vu, y'a tes collègues qui sont en train de se faire buter derrière toi.
Ok, bah, c'est des bannières royales, donc je sais pas qui je suis en train d'aider, mais a priori, il y a du grabuge. Ah, ils sont chiants à buter, eux. Bon, tu te relèves. Ah, si, ils se relèvent encore. C'est bon, tu te relèves encore ou pas? Ah, ouais, ils se relèvent encore. C'est pas possible, t'es bugué, toi. C'est bon? Mort? Non, parce que bon. Ok, donc dirigeons-nous vers Sœur Mercedes, qui se conduit comme une maintenant. Non, bon, d'accord. Hop là, et elle avance. Ben, allons-y aussi, hein, de toute façon. C'est cool, ça m'a remis toute mon endurance. Vous étiez avec la rédemption pour monter les hommes contre le duc. Oh, comment il attraque. Aïe, aïe, aïe. C'est ça qui est bon. Sinon, que feras-tu? Ben, je vais te défoncer ta gueule, parce que j'en ai envie depuis un moment. Mais non, mais hésite pas, attaque. Assister au duel. Mais non, je veux pas assister au duel. Bon, au moins ça c'est fait. Il était vraiment fragile, hein. Il m'a fallu 2-3 coups pour le buter. Ah, il y a une petite cutscene. Je suis faible. Mais oui, tu es faible. J'aurais dû te laisser crever, c'est ça? Mais non, t'es pas faible, viens dans ma couche. Hein, quoi? Ah, quoi bon? Ah, je vais avoir une réponse à lui donner, sérieux? Personne n'attendait grand-chose de moi. Mais si, tu m'as aidé. Allez, fais pas la tête. Allez, on va aller rendre la quête avec toutes les ellipses. Je viens de vérifier, il n'y avait que pour 10 minutes de vidéo, donc on va sûrement faire la quête suivante dans la foulée. Voir un petit peu ce qui se passe, ou faire peut-être une quête secondaire, parce que j'aimerais bien débloquer les... Comment ça s'appelle? J'ai été surpris à quel point Rédemption c'était bien. Ah bah c'est fini. Ok, là une petite cinématique, on lui chuchote quelque chose à l'oreille. Il faudra que je coupe encore. I shall see to it at once. A matter of a most pressing nature has come to us. Make for the southern. Partez immédiatement pour le poste sud. Oui. D'après ce qu'on va porter, un des hommes du duc qui est revenu grièvement blessé. Il demande à vous parler au plus vite, insurgé. Eh ben, on va y aller. Ouais, tu parles, je parie que c'est une embuscade. Ok, bon, on va aller voir ce qui se passe. Ouais, quelle journée tu parles? 10 minutes de vidéo. Bref, mission complete. Ok, poste sud, je suppose que c'est encore un truc à l'autre bout du monde. Non, à première vue. Ça doit être tout prêt, donc on va se rendre au poste. D'accord. Honneur et trahison. Bon, bah oui, parce que dans mon embuscade, on me l'a promis depuis un petit moment maintenant, et je l'ai toujours pas eu, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai indiqué le lieu approximatif de leur rendez-vous sur votre carte. Veuillez surtout à ce que personne ne vous repère. Soyez plus discret qu'une ombre insurgée. Ouais, mais ça c'est une autre quête, je m'en fous de ta quête. Clairement, j'ai pas envie de m'embêter, enfin j'ai pas envie de faire toutes les quêtes secondaires honnêtement dans ce jeu. Il y en a beaucoup trop pour ça. Donc le poste sud il est où? Donc oui, c'est bien ici. Ou c'est les lieux de réunion de l'autre crétin. Bon, bah, on va y aller, on va voir. De toute façon, comme je le disais dans la vidéo, elle fait que 10 minutes, donc rien ne m'empêche de flâner un petit peu aujourd'hui. Avec vous, mes petits amis YouTube. Donc ouais, c'est le, bah, c'est assez complexe comme scénario, mais c'est aussi sympa. Même s'il y a certaines choses qui sont archi téléphonées, comme la nénette qui trahit. Ce genre de choses. Je m'attendais à me faire attaquer, je sais pas pourquoi. Tiens, je la connaîtrais pas, elle. C'est qui? Ah non, oui, c'est Fira. Elle est passée niveau 34. D'accord. Ok. Bah, elle a progressé, quoi. Alors, avancez silencieusement. Ben, j'y suis là, silencieusement. C'est en dessous ou c'est au-dessus? Parce que j'y suis à leur lieu de rendez-vous, quoi. Et vous pourriez éteindre vos torches? Peut-être, ça serait un peu plus discret. Ok. Bon, je suppose que c'est en dessous. Wow, on va y aller discrètement, hein. Comment ça, j'ai sauté dessus à l'arrache? Bah, écoutez.
C'est pas grave, hein, on va leur péter la gueule au pire. Ouais, donc c'est ça, c'est la quête de la rédemption. J'aurais pu me mettre leurs habits aussi. Alors, on devrait interroger ou suivre l'un d'eux. Bon, on va peut-être faire les deux, hein. Déjà, on va choper lui. Vous, depuis combien de vous qu'avez-vous entendu au juste les squelettes? Quelle déveine. Je ne veux pas mourir pour la rédemption. C'était seulement un moyen de gagner ma vie. Il me verse une coquette somme pour dénicher de nouveaux adeptes et les envoyer au conclave. Mais j'imagine que cette tâche à... nous ne sommes pas des ennemis, vous et moi. Nous pouvons sûrement trouver un accord avantageux pour tous. Je donne un petit quelque chose de spécial et vous fermez les yeux sur mon pécule. Franchement, je suis plein de thunes, donc je m'en bats les couilles. La clé est à vous. Ah, ça peut être sympa une clé. Non mais de toute façon, tu crois que tu vas t'en aller? Non mais... D'accord, bon, donc il est obligé de s'échapper, le Taggart. Oh. Bon, c'est pas vraiment la quête qui m'intéresse. Pour le moment, on était à rendez-vous à honneur et trahison. Mais je la continuerai cette quête, ça peut être intéressant de voir ce qu'il y a dans les catacombes, parce qu'il y avait plein de portes qui m'étaient fermées. Et le fait de récupérer la clé peut être intéressant. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, bon, du coup, cette fois, on va faire une petite ellipse, puisqu'à première vue, il faut que je me barre, je ne sais où. Ouais, c'est ça, il faut que j'aille au code de Cobalt, donc il faut encore que je me frappe. Tout le chemin, comme d'habitude. Bref, allez, petite ellipse. Et nous voici arrivés ouais, sur la côte sud, mais il n'y a personne à première vue. Tu as une cinématique qui va se déclencher sous peu? Non, même pas. Bah, c'est bien, on me demande de venir là, mais il n'y a rien en fait. Il n'y a même personne qui veut me parler. Ok, c'est étrange. Alors là, je ne vois pas vraiment ce que je dois faire. Hop, attention à la marche. Je ne comprends pas. Donc c'est peut-être que parce que je suis passé de l'autre côté, que je me suis TP, que ça a tout fait bugger, je ne sais pas. Ah, je crois qu'il y avait une cinématique qui allait se lancer, j'étais content. Mais non, même pas. Ok, alors là, c'est vraiment étrange. Ah bah. D'accord. Ok. Un message urgent de la capitale, sœur. C'était une diversion. Eh oui, je m'en doutais. C'était une putain de diversion. C'était tellement logique. Oh, il y a la capitale qui brûle pour l'instant. Ok, rentrée à Grande Sorène. Allez, rejoignons la capitale. Bon. Vu que j'en ai marre de me taper des allers et retours. Hop, hop, donner. Hop. Hop, et on va rentrer à la capitale en mode téléportation. Ça coûte cher, mais bon. Des fois, il faut savoir le faire. Hop. Allez. Et oui, on va à la Grande Sorène. De suite, regarde. Hop là. Petit temps de chargement. Et on se téléporte. Loup de Troie. Ok, je connais mieux cette mission. Bah écoute. Donc, je suppose, très honnêtement, tuer la cocatrice déchaînée et protéger les trophées du duc. Vous ne pouvez quitter Grande Sorène avant la mort du monstre. Bon, bah, ça c'est pas bien grave. Je comptais pas partir en balade avant de l'avoir buté. Du coup. D'accord, sauf qu'ils sont dans les champs. Ok. Alors je vérifie qu'il n'y en a pas ailleurs. Hein. Je peux pas dézoomer, non. Je peux juste zoomer. Ok, bon. Allez, on va pas partir. Les Cocatrix. Cocatrix, c'est un Pokémon? Non, non, c'est pas ça. Enfin, en gros, c'est des gros poulets, quoi. C'est pas parce qu'ils sont nombreux que. J'ai tué des griffons, les Cocatrix à mon avis c'est quand même... Alors les Cocatrix si je me souviens bien le gros souci dans la majorité des jeux de rôle, etc. c'est qu'ils peuvent vous paralyser par contre. Donc on va voir, on va les prendre un par un. On va essayer de... Hop là.
Voilà, je regrette de plus avoir mes dagues enflammées. Mais merde, j'ai attrapé Arya au lieu de... Oh, ce bug. Ouais, merde, mes sorts ne marchent pas. D'accord, il a fait un sort de silence. Ok, donc c'est quand même des créatures magiques dans ce monde. Moi, j'avais peur qu'elles m'aveuglent ou qu'elles me paralysent, mais... Bon, toute bestiole qui vole, de toute façon, dans ce jeu, il faut lui enflammer les plumes. Pour pas qu'il puisse se barrer. Le trophée ne doit pas être endommagé. Bah, les trophées. J'en ai besoin d'un trophée, justement. Faudrait que je file à l'autre boulet. Des coffres. Ouais, je vois pas vraiment où il y a des coffres. Moi, c'est pas grave. On va essayer. En même temps, dans les champs, ça reste quand même. L'endroit le plus sûr à mon avis pour le buter. Ça risque d'être long comme ça. C'est relativement safe mais ça risque d'être long. Enfin en tout cas pour le moment ça a l'air de fonctionner. Ah est-ce que j'ai une petite ouverture? Non malheureusement. Hop. Si j'ai une ouverture j'arrive à monter dessus. Wow. D'accord et forcément il me tombe dessus à ce moment là quoi. Bon. Ok, j'ai un pion qui a été transformé en statue, donc comme je le pensais malheureusement, il est capable, le Cocatrix, de paralyser les gens. Est-ce que je peux l'aider? Non, je ne peux pas. Ça va poser problème ça, parce que tant un pion je peux m'en passer, mais si... C'est quand même mon tank qui vient de prendre, si c'est mon heal par contre ça risque d'être un peu plus embêtant. Bon, on lui a enlevé plus de la moitié de sa vie. Oui, alors est-ce qu'elle va être capable de lui enlever la malédiction? Quelle maladresse. Oh, elle l'a tué. Sans déconner. Sans déconner, t'as tué Maria. Putain. Bon. D'accord, bah écoutez, je sais pas si j'ai réussi la mission ou pas, j'ai enlevé la moitié de sa vie en tout cas. J'aimerais bien aller récupérer un pion du coup. Et a priori ça va sembler un petit peu compliqué. Mais bon, on va aller voir la guilde des pions si je peux. Hein. J'aimerais bien récupérer, au moins lui redonner la vie quoi, parce que j'en étais pas mécontent non plus. Mais à première vue, j'y ai perdu des items. La guilde des pions. Ok, examiner. Est-ce qu'elle va revenir direct à la vie ou est-ce qu'il faut que j'aille en chercher une autre? Je ne sais pas. C'est la première fois que je perds un pion. Donc Dryad est là. Et à première vue, l'autre n'y est plus. Ok. Pourquoi 40? Ah, c'est vrai que je suis 40 maintenant. Il me manque un guerrier. Oh, il va bien faire venir un guerrier vite fait, allez. Jinji qui est 28, t'es sympa, mais... Flint c'est un champion, j'aurais préféré un guerrier moi. Gamblunt pareil. Nami. Tempête électrique vortex, arme de foudre, ouais non plus elle a pas les sorts qui m'intéressent. Bigby non plus. Ah, Ogwen. Ogwen pourrait être sympa. Est-ce que t'as provocation? Oui, assaut de bouclier, porc épique, coup éclair, valse mortel, colère barbale, écoute, ça me paraît bien. Tu ressembles à un gazou que je connaissais. On va te recruter, parce que de toute façon, on va dire que j'ai pas trop le choix et que j'ai pas envie d'y passer 3 heures. Ok, donc continuons. Continuons. Ok, ok, donc il va falloir que je me méfie des Cocatrix. Ça risque d'être problématique. Donc j'ai toujours course infinie. Ah, j'ai deux buffs. Après, on a vu, ça clignote. Ok, on est prêt pour la suite. Oui, bah ça va, merci Aldous. Je me doutais bien qu'il fallait se dépêcher d'aller lui rendre. Enfin, lui dire qu'en fait c'était une diversion, même s'il devait s'en douter maintenant. Que l'attaque du Cocatrix était sûrement prévue. Et que ça va chier parce que ça commence à m'énerver. Laissez un membre de la rédemption. En vous envoyant loin, avant que la créature ne prenne vie, je n'ai fait qu'empirer les dégâts. Et moi, crédule que je suis, j'ai couru au château
Ou un gredin m'a assommé proprement. Oui, en gros, on s'est fait brain, quoi. Fort heureusement, la bête n'a pas atteint le quartier d'habitation, ou pire encore, le château. Oui, ouf. Nous devons reprendre cette histoire de trophée pour prévenir tout danger à l'avenir. Pour l'heure, tout danger est écarté. Quels sont les dégâts? Bah, il n'y en a pas eu, je crois. Nous avons tenu bon en quelque sorte, aucun trophée n'a été perdu. Voilà, bah nickel. C'est l'insurgé qui a fait ça. Yeah! Passe-moi de la pommade, mets-toi à quatre pattes! Bon. Ouais, une mission rondement menée, parce que ma légende, ça fait un moment qu'elle a commencé, si tu veux. Bon, allez, Aldous, ferme ta gueule. Et donc, niveau super. Oh, j'ai carrément pris un niveau, quoi. Ok, c'est cool ça. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte de beau? Sa grâce suivie de près vos exploits, vous êtes choisi pour diriger une expédition. C'est une mission difficile mais d'une importance capitale pour notre défense au front. Le duc a insisté pour que ce soit vous qui soyez chargé de cette mission. Le voyage sera long, insurgé. Si vous devez terminer une mission ou régler des affaires personnelles, faites-le maintenant. Plus tard. Ok, donc en gros, je vais changer de continent a priori. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il faudrait que j'épure toutes les quêtes que j'ai. Autant dire que je vais avoir pas mal de boulot hors caméra. Mais bon, c'est pas bien grave. On va essayer de faire ça. Allez, ciao ciao mes petits amis YouTube, du coup. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie. À la prochaine. Bye bye.